Eric, bonjour, vous êtes le président des Bravos de la Nuit et dans cette opération qui dure depuis 30 ans, dans cet hiver 2016-2017, vous venez de proposer quatre veillées autour de la migration. Alors, quand il y a 2 ans, s'est dessiné le projet, qu'est-ce qui vous a inspiré pour choisir ce thème? Essentiellement de trouver une thématique qui puisse correspondre aux questionnements locaux des habitants, des élus, voilà, qu'on rejoigne un petit peu toutes ces préoccupations ça permet de réfléchir au phénomène migratoire et immigration, tout ce qui est actuellement bien en vogue, à partir d'expériences très personnelles, très simples, très concrètes, et ça nous ramène à une réflexion globale. Et si on part du particulier pour toucher l'universel. Alors, quand on parle justement de la vallée du Rhône et qu'on monte jusqu'à ces sommets du Pilat qu'on connaît parce qu'il y a la tour de télévision et plein d'autres choses, il y a vraiment des phénomènes migratoires internes au massif du Pilat ou entre le Pilat et le reste de la vallée?